Je suis venu au Colibri par l'intermédiaire de Pierre Rabhi. C'est mon père qui m'a prêté le livre Vers une sobriété heureuse et ça m'a beaucoup parlé. C'était une période de ma vie où je venais d'avoir des enfants et forcément bah, je pense à l'avenir et même si ça m'a toujours travaillé, je pense que là ça a eu un écho particulier. Alors, je donne au Colibri uniquement depuis un an. En revanche, je suis l'action des Colibris et puis j'ai été à des colloques organisés par les Colibris. Depuis plusieurs années avec ma femme. L'idée d'inventer une société nouvelle et de le faire dans la douceur, j'aime bien ce genre d'association qui n'est pas une association donneuse de leçons. Je trouve que justement, c'est cette bienveillance que je cherche dans les associations habituellement. Et j'avais juste noté une petite phrase qui sort de la charte éthique des Colibris et qui me parle énormément. Ça dit « L'avenir est dans le génie de la simplicité, le pouvoir de la créativité et l'élégance de la sobriété ».